Boum! Aïe! C'est pas grave. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Bah, en fait. Ah, si, va par là. Hop! Voilà! Ok. You. Nous, visiblement, c'est en dessous. Ok. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Encore des renégats. Encore? C'est de la folie. C'est sûrement encore un sale coup de troll, c'est du boucher. Mais pourquoi maintenant? Boum! 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 C'est vrai ça! Pourquoi? Maintenant, pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Allez, viens, allez! Vous battre! Aïe! Batchat! Il est mort. Donnez-moi un signe de vie. Non, pas de signe de vie. Je tue tes Gérard Larcher. Boum. Non, mais. Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy, sur Dying Light de Resto Humain, et nous sommes à la recherche de l'escouade. Ploup, il est mort. J'ai trouvé tes hommes, enfin, quelques-uns. Enfin, des Désolé, bouts, quoi. Mais ils sont morts. T'en es sûr? Combien? Si y je y te le dis, je suis devant. Plus mort que ça. Il y avait 5 gars dans le groupe, il en reste 3. Il y a encore un espoir. Je vais aller voir. Bah, l'espoir, c'est que j'ai un zombie juste à côté de moi qui va pas tarder à me... becter ou pas. Il y avait l'ombre du zombie, mais... Ou c'était mon ombre à moi, c'est très étonnant. Bon, pour l'instant... Non, mais je l'entends, le zombie. Hein, mais je sais pas où que c'est qu'elle est. Hein. Elle fait du bruit. Hein. Oh, il y a un inhibiteur derrière moi. Oulolo. S'agit-il d'une... Il doit y avoir un truc par là, je sais pas. On n'a pas fait de... Oh là là, vous voulez pas qu'on fasse un coup de jumelle encore? Oh non, pitié. Pourtant, il va bien falloir faire un coup de jumelle. La station électrique Saint-Paul. Là-bas, l'église de Saint-Thomas-l'Apôtre. Bingo, la cathédrale Saint-Paul. Ah bah tout ça, c'est le quartier Saint-Paul, visiblement. Je crois que si le quartier s'appelle pas Saint-Paul, il y a un problème. J'y vais tout doucement, mais alors qu'est-ce qu'elles sont immaniables, ces jumelles. Mais c'est une catastrophe. Il y a un truc juste dans ce coin-là, hein, mais... Si t'as pas le curseur pile dessus... Ah, là. Ah, yeah ! Le moulin à vent, il y avait un moulin à vent derrière. Là, entre les deux. Voilà ! Centre développement du THV. Et je reviens toujours... Non. Ah, là.
Bah, le moulin, on l'a déjà, c'est pas le moulin, hein. Si je m'éloigne, ça regrossit, il n'y a plus rien de ce côté-là. Et là, ça regrossit, donc c'est dans cette zone-là. Si je descends, ça grossit. Ça y est ? Ça y est presque ? Regardez ça comme... Si, hop, si tu bouges un tout petit peu, ça s'ajuste plus, hein. C'est hallucinant, hein. Faut vraiment être sur le point. Oh là là, chapelle de la résurrection, c'est bon. Dans ce coin-là, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a vraiment plus rien. Par contre, par là, il y a encore un truc. Là, ça rétrécit, ça rétrécit. Il y a vraiment un truc par là. Ouais, là, dans ce coin-là. Là, on y est. On l'a... L'église Saint-Jean de Dieu. Ah bah, c'est Saint-Paul ou Saint-Jean. C'est le quartier des églises, quoi, en gros. Ce que t'es en train de me dire, c'est que c'est le quartier des églises. Bon, c'est pas grave, il y a d'autres trucs, hein. Regardez ça, Héron Renegados. Et nous avons le château d'eau de Saint-Paul. Et nous avons des villes, hein, par là. Il y a un truc là. Là pareil, on cherche le petit point. Le point dans lequel il faut s'ajuster. Si jamais tu dépasses le point ou que tu restes pas assez longtemps, c'est fini. Là. Voilà! Soin avancé pour le THV. Des inhibiteurs encore. À un moment, faudra que je fasse moi une recherche d'inhibiteurs. Faudra que je recherche des inhibiteurs en privé, en off. Je vous embêterai plus avec ça parce que franchement c'est assez répétitif et chiant à faire. Au final c'est tout le problème de ce jeu, hein. C'est qu'on peut se dire il est bien. Et il y a des points sur lesquels il est très bien. Mais notamment par rapport au 1 où c'est amélioré, mais il y en a d'autres. Enfin, c'est ultra, ça reste ultra répétitif. Mais vraiment dans le genre très répétitif. Tour radio de la boucle nord. Donc on va s'arrêter là pour l'instant en termes de recherche. C'est très bien. On a vu, ça doit être le quartier Saint-Paul, Lower Donan. Et là c'est à l'île de Saint-Paul. Ça va, je suis rassuré. Les développeurs ont quand même pas déconné. Ils ont bien appelé ça l'île de Saint-Paul. Fallait non plus, pas non plus exagérer. À noter que c'est à notre niveau. Hein. C'est détenu par les renégats, mais c'est une zone à notre niveau. Contrairement à Lower Down Ave dans lequel je suis. Où là, très clairement, tout ça, c'est niveau 5, et je suis qu'au début du niveau 4. D'ailleurs, en off, j'ai essayé de faire cette anomalie du grec, là, ici, qui est niveau 5. Je m'étais dit, oh, pour deux inhibiteurs, c'est sur mon chemin. Il n'y a que deux. Oh, s'il n'y a qu'un petit niveau d'écart. Non, non, c'est assez violent, en fait. C'est assez violent. Donc, j'ai renoncé. Nous, à notre niveau, ça se passe juste à côté. Il faut qu'on poursuive. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on enquête. Il y a dans les escaliers, quand on utilise ça, on voit tout de suite qu'il y a les traces de pas. Voilà, et il faut suivre les traces de pas avec nos sens de sorceleurs. À la Gérald de Vire, Landru de Blaviken. Bonjour. Il y a un infecté qui est dans le sol. Ah, et puis ils sont tous d'un niveau... d'un niveau chiant, quoi, hein. Cramé dans les flammes d'Oblivion. Mais puis c'est pas le bon jeu. Ah oui c'est vrai, pardon je confonds. C'est l'âge ça, qu'est-ce que vous voulez. Ouais non mais attends. Voilà. Bonjour madame. Allez. Allez. Quand ils sont assez séparés les uns des autres, c'est pas un problème d'utiliser la technique du melon bien mûr. C'est quand ils sont groupés, parce que du coup, au moment où vous essayez d'écraser le premier, vous pouvez en avoir un autre qui vous chope en passant. Ouh, celui-là, il pue. Ouh, celui-là, il pue de la gueule. Dégage, tu pues. Il avait l'air de dégager une espèce de halo gazeux autour de lui qui était pas très ragoûtant, hein. Et c'est comme un adulte après un bon gros cassoulet.
Ça peut... j'allais dire, ça peut laisser des traces. Oui, oui, ça peut aussi laisser passer des traces. C'est pas faux. Du coup, moi, j'essaye de retrouver la piste, mais... elle est là. Ok, là-bas. Ils étaient complètement barrés. C'est totalement dingue, je sais. Il a dû leur arriver quelque chose. C'était des soldats comme les autres. Enfin, pour la plupart. Maintenant, on dirait des virulents sur pattes. Ils sont barges. Ils butent tout ce qui passe. Barge ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils disent que Williams les traite comme des animaux. Et ils pètent un plomb. Le boucher est taré, comme ils disent. Taré et imprévisible, on dirait. Ça c'est aussi le problème. C'est que si on a une icône fouillée à côté, le game design n'est absolument pas précis. Allez, on lui tranche la tête. Même pas. Même pas de headshot. Oula, oulala, 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 oulala. Viens faire un bisou à papy, toi. C'est la récolte du melon, c'est la récolte du melon. Ichpoum. Et bam. Et meurt. J'ai essayé de faire un truc, ça marchait pas. Hein. Si vous vous demandez, papy, il avait l'air Et on peut plus la looter, du coup. Elle nous a pris une pause à la Skyrim. Là, elle nous a pris une pause acrobatique. Mais par contre, on peut plus la looter, cette conne. C'est malin. Bon, suivons les traces de sang, parce qu'on est toujours là. Hein. On est toujours à suivre les traces de sang. Mais le problème, c'est qu'on sait pas où elles vont, les traces de sang. Je les retrouve pas, là, les traces de sang. J'ai trouvé un magasin à l'abandon, avec ça je suis bien aidé. Là, ici, les traces de sang. Là-bas, ça va. Conteneur d'inhibiteur. Il serait là-haut. Ah, on dirait bien. Non, lance de jet. Bah là, il y a de nouveau le cadavre de celle-là, mais il n'y a pas le bouton pour la looter, donc... Vous savez que ça m'inquiète, parce que quand je vois des lances de jet réparties tout autour de la zone, ça pue, hein. Avec ces éléments-là aussi, ça pue vraiment l'arène de combat contre un gros, ça. Et bon, moi, ça m'embête, parce que je sais pas où sont les traces... Je ne comprends pas... Ah si, il faut grimper, c'est ça. Prends de l'élan. Vas-y. Ah dommage. Aïe 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 aïe. Attends, vas-y, vas-y, vas-y. De toute façon, il faut qu'on monte. Ouais, c'est gentil de me le dire, mais attends, c'est pas pour maintenant le inhibiteur. Vas-y, je t'élimine. Je sais pas si on peut rentrer par la... Oh merde! Il est à niveau trop élevé, je veux pas le buter en étranglant. Ah, ça va être chaud, ça. Ah putain. Ah oui, d'accord. Ok. Je vois ce que c'est. Alors par contre, ça va pas m'aider. Hein. Ah, ça va vraiment pas m'aider, hein, cette affaire. Si vous y mettez pas du vôtre, ça va me compliquer la vie. Ça c'est pas bon, ça. Hein. Moi, je vous dis que c'est pas bon du tout. Et regardez. Ah, on peut pas. L'élimination, il va pas vouloir, il va pas se laisser faire. Non ! Mais non ! Mais pousse-toi ! T'as pas compris, c'était ça. Voilà. Et là, bah là, il est... Oh la vache, c'est pas la peine, on les étrangle pas. Et ça, c'est bon ou ça va pas ? Non, ça va pas. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Et le deux. C'était lui que j'ai loupé qui s'est relevé. C'est bon.
Bah je peux vous assurer qu'avec un programme comme ça, vous faites votre gym de la journée, hein. Y a pas de souci niveau sport, vous faites vos exercices. Oui, mon petit. Bien voir, papy. Aïe. Ouh, mais ça fait mal, ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Je t'ai pas demandé de faire un combat de karaté avec moi, non, mais franchement... Ok, bah ils sont morts là-dedans. Pas d'eau. Bah non, pas d'eau, ça c'est sûr. En même temps, je prendrai pas ma douche ici, hein. Alors, mon objectif, il est encore au-dessus. Vas-y, tu peux grimper. Bah je suis là. Ouh, on voit un autre, merde. Salutations à l'ami. Hé hey, salut. Salut. Aide-nous. Bah moi, je veux bien, mais t'es qui? T'es sûr que t'es dans les gentils? Ah ouais, je vois un pacificateur, non, je vois un renégat là-bas. Aïe. Bon, échec. mais échec complet. Alors, est-ce que j'ai assez d'énergie pour grimper tout en haut? Moi, je pense que oui. Mais on va en avoir la confirmation dans quelques secondes. Oui, c'est bon. Bonjour, monsieur! Ah, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Aïe! Ah! T'es mort! Allez, viens, toi! Ah non! Loupé, t'es mort! Là! Ah, j'arrive pas à avoir le réflexe d'esquiver quand il fait sa grosse attaque! Et... Putain, ça comptait autant de sang que ça, un renégat. Eh ben, dites donc. Mais pas être un émier, toi, visiblement, hein. Bon. Bonjour. Oh, surprise. Ah, tu t'y attendais pas, je sais. T'es mort. Non, mais... Ça c'est fait. Et nous ils sont là-bas dans la tour visiblement. Est-ce qu'on a des trucs par ici d'abord à fouiller avant de... Tiens regarde. Regarde, on a failli passer à côté du sac à dos. Et de la caisse dans laquelle il y a une note. La collectionnite aiguë est à l'œuvre. Alors si on va aller en face, bah il faut passer par là. Hein. On prend un peu d'élan, on saute. Et on rentre dans la tour. Bonjour messieurs dames. Vous avez vu que c'est pas la peine de barricader la porte, hein, parce que on rentre comme on veut ici. T'es qui toi? C'est deux moulins qui m'envoient. T'es qui toi qui dis? Franchement. Vous allez bien? À ton avis? Moi ouais. Sébastien, pas tant que ça. Et Ziyataro, les cités d'or aussi? Ah non, c'est Esteban, pas Sébastien, pardon, je confonds. On va aider Sébastien d'abord. Comment il va? Il a pas... Il vient de te dire, pas bien. Les enfoirés de renégats. Je comprends pas pourquoi il y en a autant dans le centre. Ah bah moi ils non me sont plus. Ils sont tombés dessus d'un coup. J'ai réussi à m'échapper avec Sébastien. Tu peux marcher? Je compte pas l'abandonner. Il est en train de grogner comme un zombie, hein. Va falloir... À mon avis, c'est mort, hein. Celui-là est dégueu. Il m'en reste plus. Dis, de Moulin, t'as parlé de lui? Ouais, de son frère et de son père. Non, pas ça. Sébastien, c'est un artiste. De Moulin lui a promis de l'emmener un jour à Marseille, dans la boutique de son vieux. Il peut pas crever comme ça. S'il te plaît. Bah oui, moi je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, je vais l'aider, allez. Ça devrait le faire. Merde, ça va m'enlever quoi? Tout ira bien pour lui, mais c'est pour les langues que je suis là. Où est-ce qu'elles sont? Après avoir repoussé les renégats, nous avons atteint le bâtiment. Pour entrer, on a tendu des cordes depuis l'autre toit. Et c'est là que les renégats nous ont de nouveau attaqués. Et les lampes? Toujours sur la plateforme sur le toit.
L'armée les a bien cachés, pour que personne ne puisse les voir du dessus. Seba les a vus depuis d'autres bâtiments, grâce aux jumelles. Manque de bol, on n'a pas pu terminer de sécuriser les cordes. Y a un autre moyen d'y aller ? Tu pourrais entrer dans l'immeuble, mais comme je te l'ai dit, il est infesté de mordeurs. Oh merde ! Ok, je vais essayer la corde. Faudrait que tu sois une araignée pour grimper là-haut. Et ça grouille de renégats dehors. J'aime prendre des risques. Ouais, puis tu me connais pas, je suis un pèlerin quand même, moi ça va, allez, t'inquiète. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Je vais récupérer les lampes. Je suis même quand même plus crédible que Spider-Man, je vais te dire. Par contre, on était censé avoir un conteneur de ninibiteurs sur le trajet, je pourrais remarquer. Et le conteneur... Ouh ! Le conteneur de ninibiteurs, je sais pas où il est passé, mais on le voit plus. Hein. Et du coup, moi, je dois aller là-haut à 78 mètres. Alors là, j'ai bien de quoi monter, mais je suis pas sûr que j'ai de quoi monter. Bon, écoutez, on va essayer. Ah bah, c'est sûr que si jamais je fais ça, oui. Ah bah, ça, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va y arriver, hein. Non, mais là, si t'es même pas foutu de passer au-dessus du truc, là, je suis désolé, mais enfin, on n'arrivera à rien. Tiens, t'as une zone sécurisée, enfin, une zone, t'as au moins une zone dans laquelle... Ami ou... Ah bah non, ennemi. Ah bah, c'était trop simple. Ok, tu veux encore Cette fois-ci, j'ai réussi à éviter sa grosse attaque. Mais là, c'est bon. N'en a plus du vilain. Oui, je sais que ma vie est faible. J'en ai bien conscience, je te rassure. J'ai parfaitement conscience que ma vie est faible. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous allons récupérer du miel et de la momie, de la camomille, de manière à pouvoir tout simplement nous refaire des bandages si jamais nous n'en avons plus assez. On va finir de ramasser tout ce qu'il y a à ramasser, y compris, tiens, encore de la camomille, y compris une petite plume d'oiseau. Là, non, c'est de la résine, ce coup-ci. Ok, ah, elle est là. Je sais pas à quoi elles servent, les plumes. Sans doute pour faire des flèches à un moment donné. Mais comme on n'a toujours pas trouvé d'armes et qu'on trouve pas de vendeur non plus d'armes à distance, c'est pas gagné, cette affaire. Nous, à notre niveau, tac, on va y aller. Boum, on a ce qu'il faut, donc ça va. On va remonter notre vie de cette manière-là. C'est long et fastidieux avec les bandages, mais au moins ça préserve les ressources, les medic-packs militaires là, pour les phases de combat. Vas-y, mets-nous la life à fond, mon vieux Eden, merci bien. Ok, à partir de là, les enfants, nous, ça se situe à 49 mètres. Ah oui, bah oui, la corde. La fameuse corde, c'est de ça dont il parlait. La corde au-dessus du... Bon, bah ok, allez, allons-y. Allons-y. En mode équilibré. Moi, quel vertige, je peux vous assurer que je regarde la fiche by coin, hein, get tie reward. Ah, c'est bon, je vais dans la direction d'une inhibiteur. Mais je vais dans la direction d'une inhibiteur tout simplement parce qu'en fait, il s'agit sans doute d'une anomalie du greu ou de quelque chose comme ça. Il y a des zombies là-dedans ou pas, ça? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Oui, mais je vois le halo sur le côté où il y en a là. Oh là 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 là. Et c'est des comment? Ils sont à mon niveau. Ah oui, ils sont à mon niveau, ceux-là, ça va. Bonjour, messieurs. Oh, regardez. Oh, regardez, c'est pour le fun. On va faire un peu le ménage là-dedans. Oh, il en reste un. Bonjour. Voilà. Il y en a encore. Oh, cramé dans les flammes d'Oblivion. Non, pardon, oui, enfin, vous m'avez compris. Dans les flammes de Manuel Waltz, tiens. Ou dans les flammes de Rice. Ah, Ran. Ah bah, ils sont pas morts. Ils sont bien grillés, par contre. Ouf, headshot. Bien. On commence à y voir un peu plus clair dans la pièce. Ceci étant, c'était pas mon objectif. Moi, mon... Oui. Pas de souci. C'est une bonne idée, le ninibiteur. Ça me va bien, mais pour l'instant, le ninibiteur... on est à 50 mètres.
Ah, ça suffit pas, on va pas pouvoir grimper par là, merde. Ah ah, là. C'est là. Bon, attends. Grimpe, mon vieux. Voilà, il fallait qu'on monte d'un étage. Là, on va pouvoir monter avec l'ascenseur, j'imagine, mais je vais quand même regarder si on a rien d'autant plus. À part fouiller la poubelle, mais là, ça va aller. Hop, je grimpe encore d'un cran dans l'ascenseur. Oula ! Oula là ! Messieurs, bonjour ! Voilà ! Le feu purificateur ! Les flammes revigorantes. Ah, encore? Allez! C'est à la demande, ne vous inquiétez pas. Ah non, il m'en reste plus, tiens. Ah bah tiens, pendant que ça crame, je vais en refaire un ou deux. Puisqu'on a de quoi en faire un, deux... On va pas faire 15 ou 20, parce que je sais pas trop les autres pièces. On va peut-être en garder, quoique il y a largement de quoi faire. Voilà, la 7 c'est déjà très bien. Bien! Bonjour! Voilà. Faut pas t'énerver comme ça. Quant à vous là-bas, ne vous inquiétez pas. J'en ai aussi pour vous des petits cadeaux. Regardez ça, ça fait du bien. Hein. Ah! Ah! Non, non! Non, non! Non. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Allez, on économise l'arme en utilisant la technique du melon bien mûr. Oh, il est vivant, celui-là. Et pareil, il est grillé. Voilà, là, le bouton fouillé empêche d'avoir le bouton qui permet de lui sauter dessus. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce que c'est imprécis comme gameplay. Allez. Oh, bon, c'est... Non mais arrête, mais en plus, mais t'es calme. Ah, tu vas pas me foutre du charbon de bois sur moi, ça va, non? Bon. Bon. Ah, c'est le loup de tour, hein. Oh, bonjour. Hop. Ah. Bonjour, 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 bonjour. Ah non, parce que là, si jamais je fais ça à ce niveau-là, je finis en bas avec lui. Ça m'est déjà arrivé. Si on est trop près du bord, on se précipite dans le vide avec lui. C'est bon. Ça, c'est fait. Ah, il y a une armoire ici, quand même, à fouiller avant. Hop. Des câbles, du tissu, la totale, c'est fantastique. Ici, on est au bord du bâtiment. Que nous, l'idée, j'imagine... Oui, il faut qu'on monte encore. Hein. Si, au bout d'un moment, jouer avec les zombies, c'est sympa, mais il faut pas oublier qu'il faut qu'on monte. Et je sais pas si... Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Ah mais non, quoi! Et plus dur sera la chute, disait l'autre. Bah, il avait raison, hein. Plus dur est la chute quand même. Hein. Ok, on s'est vautré comme une grosse bouse, bien comme il faut. Il nous a... Ah, il nous a remis dans le... Alors ça, c'est pareil, ça, je n'arrive pas à comprendre. Un jour, il faudra m'expliquer la logique des développeurs. Puisqu'ils prennent le parti pris au début de ce jeu de lorsque l'on meurt, vous retépez à la planque sécurisée la plus proche. Ce qui était le cas également dans le DLC The Following sur le 1. Contrairement au 1, puisque le 1, quand vous mourrez de mémoire, vous ne retournez pas dans une planque, vous retournez à proximité de là où vous êtes mort. Et vous ne savez pas pourquoi de temps en temps, je dis bien de temps en temps, hein, eh bien, vous avez un respawn comme ça qui se fait à l'endroit où vous vous êtes mort. Donc, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, ils dérogent à leurs propres règles. Ah ah ah, bonjour, bonjour. Ah oui, bah, j'avais pas prévu qu'il fallait recommencer par contre. Donc en fait, ça s'appelle un checkpoint. Bonjour messieurs, ne descendez pas, surtout restez là-haut, profitez du spectacle. Vous êtes bien là-haut, hein. Vous êtes aux premières loges, justement, pour pouvoir admirer le loup de tour de papy. C'est très bien, mais restez-y, hein, surtout. Ok.
On peut même faire le monnayeur de la machine à café. C'est même pas vraiment un checkpoint puisque il y a les petits paquets de notre passage précédent. Donc en fait, il nous remet au début, il fait respawn les ennemis, mais par contre, les paquets de ceux que t'as déjà butés sont toujours là. C'est une incohérence absolument incroyable. Mais bon, c'est pas grave. Et nous, c'est au-dessus que ça se passe. Mais a priori, il faut qu'on aille... Ouais, alors, on va peut-être commencer par faire le ménage. Et le ménage par le feu, hein, la politique de la terre brûlée, qui disait. Et il en faut un peu plus pour tous les griller, je crois. Hein. Regarde, il y a dans le lot, il y en a un ou deux qui vont clamser, mais il y en a d'autres qui sont encore là. Allez, deuxième dose. C'est sûr que là, ce sera pas des steaks saignants, ce sera de la viande bien cuite. Et là, il va falloir prendre son élan et sauter, mais je vous raconte... Oh non, il en... Ouais, bon, ceux-là, on les aura. Allez. Bonsaï! Oui, alors lui, il m'a chopé avant que je le chope. Mais bizarrement, quand je lui fais ça... Voilà, là. C'est bon. Bonjour. Oh, les flammes purificatrices. J'adore les cocktails Molotov. C'était déjà très efficace dans le 1. Ça reste efficace dans le 2. J'aime beaucoup ça. Allez, meurs! Allez, meurs, j'ai dit. Ah bah non, il reste vivant. Voilà, alors là, le problème, il est là, c'est qu'il m'a collé en plein milieu. Allez. Lui, il est mort, le deuxième à gauche, il va mourir aussi. Les deux autres, par contre, eux vont survivre, c'est à peu près sûr. Il va falloir les achever, j'allais dire, manuellement. Bah oui, c'est... vas-y, viens faire bisous, viens. Toi, t'es mort. Et toi, je vais t'achever. Ah bah, donc... Il n'y avait même pas besoin, ça t'a achevé directement, c'est parfait. Je suis à 17 mètres de mon compteur, de mon conteneur d'inhibiteur. Oh, messieurs, bonjour! Ah non, pas dans le feu, par contre! Ah, mais c'est du crétin de jeu! Écoutez, au moins, hein? Bouge! Mais non! Oh! Voilà. Allez, cette fois-ci, je pense que c'est bon. Ils ont un empilement assez étrange, mais ça va. Bonjour. Viens voir papy. Éloigne-toi du bord parce que j'ai pas envie encore de finir en bas de l'immeuble, si tu veux. Eh bon. Allez. Allons-nous pouvoir enfin accéder aux suites de, à la suite du contenu? Ce serait quand même pas mal. Papy, c'est toi qui traînes avec les armoires. Oui, oui, là, en l'occurrence, un petit peu, mais papy, il est 17h50. Ah! C'est une donnée que j'avais pas prise en compte jusque-là. L'heure, les enfants, l'heure. Ah bah, ici, il est à 10 mètres, à 18 mètres. 19... 18, 16, 15, 17h, 17, 18, ah 17, il doit être au-dessus, hein. Ils doivent nous... Bah, je sais pas d'où tu sors, toi. Mais donc de toute façon, notre objectif est juste au-dessus. Ben voilà. Et je pense que le inhibiteur... Bonjour. Ah non. Voilà, s'il te plaît. Allez, on refait la même. Non, ben voilà, ben ça m'aurait étonné. Voilà. Tu as le droit de lâcher ça, Hayden, parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Ok, c'est bon. Parfait. Oh merde! Non, bon, on peut pas, y'a que le bouton fouiller. Oh, ce que c'est chiant ces gameplay où la même touche fait 15 trucs. Mais forcément, ils ont même pas pensé que ça pouvait se superposer quand tu combats sur un tas de cadavres, quoi. Non, mais sérieusement. Alors. Oui, je sais qu'il est à proximité, le inhibiteur. On va l'avoir, le inhibiteur, on va l'avoir. Y'a pas de doute, faut juste qu'on trouve comment on grimpe encore un cran.
Parce que nous, c'est au-dessus que ça se passe. Et il faut sauter. J'ai peut-être été un peu présomptueux, mais non. Mais non. Oh là là. Et regardez, tac tac et hop. J'y suis. Et... boum. J'y reste. Ah, faut chercher les lampes UV dans les containers. Et déjà, mon inhibiteur, voilà. Voilà, s'il te plaît. Oula. Il y a un bruit qui est pas sympa. Je peux vous assurer que le grognement que j'ai entendu, c'est pas celui d'un petit zombie, hein. Vous l'entendez? Ouais, vous l'entendez, vous aussi, hein. Parce qu'elle est là-dedans, mon inhibiteur, je crois bien. Ou pas. Putain! Conteneur d'inhibiteur à proximité. Ah, il est là. Mais je sais pas comment j'entre. Ah, il est là! Le inhibiteur, lui, il est là, d'accord. Mais par contre, j'entends le gros méchant, là, Il y a forcément un gros méchant, je sais pas quoi en penser. Ah oui. Si vous l'entendez pas, moi je l'entends. Hein. Ah, c'est là. Cherchons les lampes UV dans les containers. Peut-on trouver des lampes UV? Gants du cogneur. Ration de combat, cassette. Wow! D'où tu sors, toi? Mais d'où tu sors que je t'ai pas vu arriver? On peut pas fouiller dans ces containers-là, visiblement. Il y a... ah, putain! La nuit approche! Il va être minuit! Au secours, il va être minuit! Il va être la nuit! Oh là là! Rochetage facile. Ouais, je sais, mais là, c'est pas vraiment... bon. Et pourquoi je peux pas passer le seuil de la porte? Oula, ça c'est pour redescendre. J'ai pas envie de redescendre tout de suite. Moi, je cherche toujours de quoi fouiller dans les conteneurs. On m'a dit que c'était dans les conteneurs que ça se trouvait, donc... ah bah c'est là-dedans. Eh oui, il y en avait un ici. Voilà! Les lampes UV. Bonjour monsieur, je savais bien qu'il était là le gros. Je l'entends depuis un moment le gros, comme... où le container il va? Ah! D'accord. Why not? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ah, je vais bien, mais je suis tombé. Les lampes sont foutues ici. Va falloir gérer le truc là-haut. Et vous vérifier l'autre conteneur. Admets-le. Rowan te plaît. Quoi? Lawan, lâche-moi. Ouais. Lâche-moi. Franchement, lâche-moi. Mais vas-y, grimpe. Normalement, ça grimpe. Eh, vas-y, Aiden, ça gère, là. Tu peux monter, là. Oh, il est sérieux, celui-là. Ok. Voilà. Eh ben, ça tient pas grand-chose, la vie, quand même, hein, quand on y pense. Et le problème, c'est que maintenant, il fait nuit. Alors, moi, je veux bien aller le combattre, le gros machin, là-haut, mais il fait un peu nuit, quand même. Je vais refaire... éventuellement, je pourrais peut-être refaire du cocktail Molotov. Peut-être que, à la limite, ça peut servir. Contre lui, je suis pas sûr, n'empêche. Hein, mais bon, on sait jamais. Par contre, là, je vais commencer à manquer de bouteilles d'alcool. Bon, ben, allons-y. Tuer le démolisseur. Ah oui, c'est... oh, d'accord, donc c'est qu'en fait, on n'a pas le choix, quoi. Faut aller tuer le démolisseur.
Bon, eh bien écoutez, bonjour monsieur le démolisseur. Bonjour. Je vais utiliser ça parce que ça, ça fait des meilleurs dégâts. Aïe. Ah non, pas... Oui, j'avais oublié, il y a les virulents. Ah bah, il y en a un là. Bonjour monsieur. Il est où le gros? Il est où le gros? Alors déjà... Ah non! Bah non, justement! Oh non, en plus ils ont un niveau... Ah non, 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 non. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps de me refaire de la life, s'il te plaît. Laisse-moi le temps. Merci. Laisse-moi le temps de regérer ma life. C'est bon, c'est mieux. C'est quoi l'objectif, là? Parce que là, tu es le démolisseur. C'est fait, ça. Il a explosé avec la bouteille d'oxygène à côté, donc ça, c'était bien. Oh, parce que t'es laid, mon vieux. Voilà, l'avantage au moins, c'est que t'exploses pas, comme ça. C'est déjà bien. Je peux rentrer, là? Non, alors à mon avis... Comment j'y rentre sur le conteneur? Sur le toit? Ça s'ouvre pas? Oula! Il y a une porte sur le côté, il y a un truc... comment tu veux que je fasse pour fouiller le deuxième conteneur? Ah putain, il n'y avait pas le bouton ouvrir quand je suis venu la première fois. Oula, il y a du conteneur là-dedans. Je sais que j'ai des inhibiteurs non utilisés. Je vais les utiliser, mais pour l'instant, je voulais terminer ça, récupérer les lampes. C'est déjà mieux. De Moulin, j'ai tes lampes. Une douzaine de caisses, peut-être plus. Elles sont toutes intactes. Très bien, mon ami. Tobias m'a dit que tu les avais aidées. Merci beaucoup. T'es très débrouillard. Merci. Si tu le dis... Pas là, pour le coup, je suis très chanceux d'être en vie. Et je compte pas me promener chargé au milieu désinfecté. Les garçons peuvent accéder au toit et s'occuper des lampes. Eh ben tant mieux. Juan, et du coup? On a les lampes, mais l'équipe est tombée sur des renégats. Chut, pas la radio. Retrouve-moi dans mes quartiers sur le navire. Non mais je te cause pas toi, d'abord je bosse pas avec toi. J'ai dit je bosse pas avec lui, donc hop là. Nous on va crocheter quand même celui-ci parce que ça il est important et après on va essayer de rejoindre soit le bateau, soit le fisheye, en tout cas une zone sécurisée pour finir la night tant qu'à faire. Aïe, le crochet c'est dans ce coin. Voilà, c'est bon ça, regardez ça, hop. Tant mieux. Allez. Hop. Alors, pour l'instant, il y a un truc que je voudrais vérifier. Mais à ma connaissance, ce qui me bloquait, moi, depuis le début du jeu, ou presque sur la map, c'était un problème de... Ah non, l'endurance, il faut 400 sur celui-ci, voilà. Bah, je sais. C'est ce qu'il me fallait. Je m'étais dit, bon, je crois que c'est 300, ce que j'avais vu comme limite, notamment dans la partie originale, là-haut. Mais en fait, non, c'est juste que... j'avais pas regardé au bon endroit. Ça peut monter jusqu'à 400. Celui-là, il fallait 300 pour l'atteindre. Maintenant, j'ai 300 d'énergie. Je devrais d'ailleurs pouvoir aller le faire. Mais il y a une anomalie du grec aussi. Il faudrait que j'aille faire ça en off après. Mais pour l'instant, nous, ce que je sais, c'est qu'il faut 400 d'endurance pour atteindre les derniers trucs. Donc, je pense que je vais plutôt repartir sur de l'endurance. Zou, poum. Et j'ai déjà un inhibiteur d'avance pour la suite. Niveau 9, on est à 320. Voilà. Ah oui, ah, ça pique. Hein. Allez, Nizi. L'inhibiteur, ça pique sur le moment, hein, c'est sûr. Mais t'inquiète pas, mon Hayden, ça va aller. Relève-toi, c'est bon. Sois digne. Dis au revoir aux gens. Donne-leur rendez-vous au prochain épisode parce que nous irons voir Juanito. Mais nous ne faisons pas alliance avec lui. Hein. Ça, c'est hors de question. Ah oui. Surtout, tu te tais, toi. Voilà, trophée infecté rare, c'est parfait. Mais surtout, tu te tais, c'est le plus important. Tu ne vas pas donner l'alarme
auprès de tout le monde. Voilà. Allez, gros poutou à tous, passez une excellente soirée et rendez-vous très bientôt sur la suite de Dying Light, Restons Humains, ou pourquoi pas sur un autre jeu. Si vous voulez soutenir Papy, comme d'habitude, le réflexe du pack YouTube, un pouce partage de la vidéo, abonnement, cloche et commentaire. Et puis, donc rendez-vous pour la suite très bientôt, je l'ai déjà dit, ça c'est parfait, les gros poutous aussi, mais des gros poutous, on n'en a jamais assez. Gros poutous à tous et bonne soirée. C'était Papy, live from Vildor, depuis les toits de la ville, à vous les studios. Ciao.